Salam, coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la voiture parce qu'on va faire, on est dimanche aujourd'hui et on va faire une petite sortie familiale. On va partir au parc. Dans un parc, je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir une bonne surprise. Voilà, donc là on est sur le départ. Il fait un peu froid. Là, on commence à sentir qu'il fait très très froid. Et voilà, j'espère que ça va bien. Une bonne surprise. En tout cas, on va vous emmener avec nous et vous allez découvrir ce petit parc. Mais je vous l'avais déjà montré, je crois, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, il y a, je crois que ça fait deux. Il y a un an. Un an, je ne me trompe pas. Donc... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. Donc voilà, je tenais à vous partager cette petite journée sympathique en famille, vous faire redécouvrir ce parc du Petit Prince, parce que c'est pas la première fois que je filme une vidéo dans ce parc que j'apprécie énormément. Il y a énormément de choses à faire et ça peut être une super idée de sortie en famille. Du coup, mon mari m'a aidé à filmer. D'ailleurs, dites en commentaire ce que vous en pensez du filmage, on va dire du cadrage et tout, parce que mon mari me dit souvent, tes pauvres abonnés, des fois tu vas trop vite et en plus que tu accélères les vidéos, elles ont le temps de rien voir, donc laisse-moi faire. Donc moi je m'occupais des vidéos Instagram et lui des vidéos YouTube tout simplement. Donc c'est ça aussi YouTube et etc, c'est aussi que la famille participe à notre travail et s'implique dedans, et ça fait énormément plaisir. Et je tenais aussi à vous partager, vous voyez, tout simplement les décorations. Franchement, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail et c'est hyper joliment décoré. Franchement, c'est super bien fait. Et je vous montre pas mal d'attractions que vous pouvez trouver là-bas. Mais il n'y a pas que des attractions, il y a des petits jeux, il y a une petite ferme. Enfin voilà, vous avez de quoi faire et de quoi occuper vos enfants. Dans le volcan, ça, en fait c'est un parc où il n'y a que comment on appelle ça? Pas des petits.
Il est dégoûté parce qu'il veut y aller, il fait plus d'un mètre vingt. En fait, c'est vous avez des jeux gonflables et vous en avez pas mal d'autres jeux aussi qui peuvent faire les enfants, mais c'est hyper. Ça peut être sympa, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les passes dans l'année, parce que quand vous ne savez pas quoi faire, vous venez ici, vous sortez, vous faites des pique-niques avec les enfants et tout, ça peut être sympa. Donc on est au parc du Petit Prince et près du château gonflable, enfin du volcan, pardon, vous avez tout un endroit pour faire votre repas, pour les petits. Vos petits pique-niques aussi pour faire des petites commandes, ils font des frites, ils font quoi d'autre? Des hamburgers, les ah ouais, ouais, des hamburgers et tout. Je vais te donner, tu peux. On peut faire pas mal d'attractions dont celle-ci. En plus, vous pouvez accompagner vos enfants sans souci, les adultes peuvent aussi participer. Vous avez aussi ce ballon panoramique, ça vous permet de, je crois que c'est un bar panoramique, je suis pas sûre, mais vous pourrez boire une boisson en plus de profiter du paysage. Il est pas mal, j'ai pas pu le faire parce que les enfants ne voulaient pas, mais moi et mon mari on voulait trop le faire, mais c'est pas grave, on s'est rattrapé avec le ballon, vous verrez en fin de vidéo. Ensuite on a profité de la petite ferme, vous avez un endroit avec plein d'animaux de la ferme, vous allez le découvrir tout à l'heure, et bien sûr vous pourrez vous en approcher, les caresser, etc. Ça c'est vraiment, je trouve ça bien pour les enfants, ça leur permet de découvrir autre chose que les écrans, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce petit coin agréable, naturel de ce parc. Ensuite bien sûr toujours les jolies décorations d'Halloween. Il y a des horaires pour les vols de pigeons, les nourritures pour le renard, etc. Et sur mon Instagram, je vous avais montré quand les pigeons volaient, faisaient des petits tours, etc. Donc franchement, en plus, ils reviennent toujours au même endroit. C'est impressionnant. Et puis, vous avez ce petit endroit plein de décorations d'Halloween. C'est trop bien fait. Franchement, c'est trop bien fait. Vous avez un mur créatif, donc tous les enfants peuvent dessiner à cet endroit, écrire leur nom, leur prénom, faire des petits dessins. Ils ont un petit bac avec des craies pour que les enfants puissent se servir et vraiment se défouler. Oh, il y a des lapins. Il y a des poules, des paons, des lapins. On y va. Tu vas voir les lapins? Allez, viens. Oui, les lapins, c'est mes animaux préférés. Bienvenue dans notre ferme. Oh, les poules, en plus, ils ont une balançoire. Viens. Pardon. Dieu, ils sont trop choux. Bonjour petit lapin. Quand on va déménager, voilà. T'as vu ça? Ils sont grands, hein. Oh, on dirait ça, t'as aimé. Oh, j'en veux un. Oumia, il y a un lapin, on peut les caresser, il y en a trois. Ah, ils vivent de 5 ans, ils vont payer. Ils ne peuvent pas les caresser. Ils sont tous doux. Ah. C'est pas possible. Moutons, moi et Neya. On peut aller chez les moutons, moi et Neya et Oumia. Viens, on va chez les moutons. Oumia, je peux aller chez les moutons. Attends. Il a bien une petite caresse. Abby, je peux aller chez les moutons. Et sa maman. Et le train, il est revenu. Il est revenu là-bas. Va chez un mouton. Fais gaffe, lui, c'est un... il a des cornes. T'as trouvé tes lunettes? Non. Je sais pas où tu les as mis. Fais gaffe avec les cornes, moi, ils me font peur. Je t'avais dit.
Maman, je fais une vidéo. Ah ouais, elle fait peur là. Oh, star là. Il y a plein de croix de l'église. Il y a un... Maman, je suis en train de faire une vidéo. Hein. Je te fais une vidéo. Hey, il y a ce que les deux chats là-bas. Dans la zone des animaux, vous pouvez y retrouver nos moutons, nos poules, nos lapins, nos pigeons, nos renards et nos paons blancs. Ensuite, vous avez cet endroit avec plein de parcs de jeux, des toboggans, etc. Il y a un avion, comme vous savez, celui qui a écrit Le Petit Prince et Saint-Exupéry, c'était un aviateur, si je ne me trompe pas. Et du coup, il y a beaucoup d'animations par rapport aux avions. Et vous pourrez visiter cet avion avec l'intérieur qui est ouvert et y découvrir un peu comment ça se passait dans le temps. Et puis vous avez les bûches, mais sauf que c'est des avions, c'est comme des bûches. Et c'est vraiment bien, sauf que nos enfants, encore une fois, avaient peur. Donc c'est pas grave. Et puis vous avez l'attraction du ballon, vous aurez une vue panoramique de la région, c'est juste magnifique. J'ai trop aimé. Donc ça dure pas longtemps, mais c'est hyper agréable. Et puis qu'est-ce que c'est beau de voir tout autour de soi comme c'est immense et comme c'est hyper joli. Franchement, la nature est juste impressionnante. Donc profitez-en. D'ailleurs, il y avait énormément de coccinelles quand je suis sortie du ballon. J'en avais toute la veste. J'étais blindée de coccinelles. Mais vous allez voir la vue, c'est trop, trop, trop beau. Bien sûr, vous avez une vue imprenable sur le parc. Donc les enfants se sont amusés à voir où ils avaient fait tel et tel jeu, etc. Donc ça ne dure pas longtemps, mais juste ce petit moment est juste très agréable. Ah oui, je vous laisse découvrir ce petit moment en famille qui était très très marrant. Vous allez entendre mon mari claque de rire. Mais nos enfants nous ont fait bien rire parce qu'ils avaient peur de tout. Get on your scooter. No. One rider for those over 1 meter 20, and for two. On est terminé une journée au parc très très... Franchement c'était agréable, ça fait du bien de profiter un dimanche en famille. Ça faisait tellement tellement longtemps. Il y a tout plein de monde, ça finit à 5h mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Ça serait vraiment top qu'il reste jusqu'à 18h, ça serait parfait. Ils ont fait des attractions spéciales, ils les ont un peu modernisées en style Halloween. Heureusement elle l'a attrapé. Elles l'ont modernisé, ils l'ont mis en saison Halloween. Donc on a des petits manoirs, des petites maisonnettes comme ça où ils font des animations Halloween, genre pour faire peur et tout. Après les enfants au début ils ont eu peur, mais une fois qu'ils ont découvert que c'était pas grand chose, voilà, ils étaient partis pour faire tous les animations qui font peur. Voilà, mais sinon c'était sympathique. Ils ont découvert, ils ont découvert, mes enfants sont déjà allés. C'est mon mari qui a découvert du coup le parc. C'est sûr, c'est pas les plus grands parcs, mais c'est agréable d'avoir un parc comme ça dans la région.
Voilà, franchement, c'était bien. Il y a des endroits pour faire un pique-nique. Et on est dégoûté parce qu'on n'a pas vu que le trampoline était ouvert. Et mes enfants, depuis le temps qu'ils voulaient le faire. Parce que quand on est allé la dernière fois, c'était la période du Covid et c'était fermé. Et juste à la dernière minute, on a vu que c'était ouvert. C'est dommage. Mais en fait, il faut prendre le plan, voir les horaires et tout. Quand vous allez dans un parc, c'est vraiment primordial de prendre le plan, de regarder les horaires pour chaque animation, etc. Mais franchement, c'est un bon dimanche en famille, ça fait du bien. Là, la sortie, elle est là. C'est un bon dimanche en famille, c'est top. En plus, il faisait beau. Les décors sont géniaux. Franchement, les décors qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup de boulot. Et franchement, c'est très agréable. C'est très, très agréable. Sachez que toute la semaine, en Alsace, il fera bon. Il fera beau. Donc, profitez-en si vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez pas où aller avec les enfants, sachant que c'est les vacances scolaires. Profitez-en. D'ailleurs, j'ai une surprise ce soir. Normalement, je fais un concours sur Instagram pour vous faire gagner des billets du parc du Petit Prince. Donc, je sais pas si cette vidéo je vais la poster ce soir ou demain. Si on est lundi, pour les filles qui ne savent pas encore, je fais le concours jusqu'à mardi midi. Comme ça, je pourrais tirer au sort et envoyer tout de suite la gagnante les billets du parc du Petit Prince. Comme ça, vous pouvez déjà en profiter dès mercredi parce que ce sont des billets saisonniers, c'est jusqu'à le 7 novembre. Donc profitez-en, donc c'est un cadeau pour vous. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter. Et du coup, bah le parc a proposé d'offrir ces cadeaux juste pour vous. Donc profitez-en, surtout si vous savez pas trop quoi faire ces vacances, bah c'est l'endroit idéal pour en profiter. Voilà, sur ce, on va rentrer tout doucement. Les enfants voulaient une glace, mais du coup on va aller au McDo prendre une glace parce qu'il y avait beaucoup de monde à la fin. C'est tellement concentré sur ce qu'on devait faire en fait qu'on n'a pas pu s'arrêter. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait la montgolfière. Ça, c'était hyper bien. Ça dure pas longtemps, mais la vue imprenable sur toute la région, vraiment tout le secteur, on a la vue jusqu'en Allemagne. C'est juste magnifique. Je vous ai filmé des petites parties, donc ça c'est top. Mais en tout cas, je suis super contente. Voilà, là, je suis super contente d'avoir profité de cette journée, de pouvoir vous faire profiter à vous des billets pour le parc. Voilà, donc vous savez quoi faire, me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, c'est aziza.kd. Et pour celles qui n'ont pas Instagram, franchement, c'est très simple à créer. Vous tapez juste votre nom, votre prénom, et encore, hein, c'est même pas le. Il y en a qui mettent même pas leur vrai nom, prénom. Avoir une adresse mail ou connecter vos Facebook à votre Instagram, et c'est tout. Il y a vraiment rien à faire, et vous pourrez participer comme ça. Donc voilà, profitez en plus Instagram, vous pourrez suivre tous les youtubeuses que vous aimez suivre, les personnes célèbres, etc. Et en plus, vous avez en story, notre quotidien, donc c'est plus en direct. Vous savez déjà ce que je fais, etc. Donc, par exemple, celles de YouTube là qui n'ont pas Instagram n'ont pas vu que j'étais déjà au parc du Petit Prince, mais les filles sur Instagram le savaient déjà, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et à participer à ce concours, à ce jeu concours. Voilà, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Dès qu'on va se poser, et je vous souhaite une très très bonne. Non, je vous souhaiterai encore. On n'a pas fini encore, on n'a pas clôturé encore le vlog. Je vous dis à tout à l'heure. Que le lendemain, j'ai une sale tête, j'ai une mauvaise qualité de vidéo parce que je vous filme avec mon téléphone et je suis en peignoir. Donc je vais clôturer le vlog en peignoir. Je suis malade, j'ai un grand mal de tête, j'ai attrapé le microbe de mon fils, du coup c'est pour ça que je clôture le vlog comme ça. Donc comme je vous l'ai dit en fin de vidéo, il y a un concours sur mon compte Instagram, je vous ai tout mis à ce moment là, donc au moment où j'étais dans la voiture, où je vous expliquais tout. Donc profitez-en, surtout que c'est la bonne période pour, surtout cette semaine, pour y aller avec vos enfants. Si vous ne savez pas quoi faire, allez-y, franchement c'est un super parc. Franchement, il est hyper intéressant. Sachez qu'ils ont aussi des passes à l'année et ça peut être que intéressant quand vous savez pas où aller avec vos enfants. Ben, vous prenez votre passe et vous allez, c'est un passe famille et vous y allez et vous allez quand vous le souhaitez vraiment. Et ça, c'est top parce que
On peut pas tout faire en une journée, ça c'est sûr. Et en plus, il est hyper agréable. Il y a de l'espace. Les enfants peuvent jouer, courir, pique-niquer, faire du trampoline, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, c'est hyper intéressant. C'est un super parc. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais clôturer ce vlog, de toute façon dès demain il y aura aussi d'autres vidéos, j'ai plein de vidéos à vous faire, donc je vais vous laisser tranquillement finir cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, mes idées sorties vous auront plu aussi, si vous en souhaitez, dites-le moi, de toute façon je tiens à préciser que il n'y avait pas de collaboration pour cette vidéo, j'avais commandé depuis très longtemps avec mon CE, mes billets, mais j'ai voulu vous faire plaisir à vous pour avoir aussi avoir ces billets pour vous. Du coup, on s'est concerté avec la marque et du coup, j'ai proposé ça. Du coup, je vous ai partagé en même temps une jolie journée sympathique dans ce parc. Et j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir et ça vous aura touché le fait que je puisse penser à vous à ce niveau-là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.